Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Rusty Lake Paradise. On va prendre la cinquième plaie. The fifth plague, diseased livestock. Les animaux malades, voilà, c'est ça. Ok, et on y va, on progresse. Alors c'est encore un truc qui va pas me faire plaisir, une salade. Ok. Les pères. Non ? Oh ! Regardez. Ah merde. Voilà. Je crois qu'il y a un truc en rapport avec... Là, je suis plus dans une tâche. Du coup, il me faut une... Tâche. Non, même pas. Là, je suis plus dans une tâche. Du coup, si je prends en dehors d'une tâche, ça passe. Là, je suis à nouveau dans une tâche. Donc, il me faut une autre tâche. Pourquoi cette fois-ci ça passe? D'accord, donc on a une espèce de X en plein milieu. C'est très chelou. Et ça me fait penser... Ok. Tu veux pas de la salade? Je veux pas de salade. Ok, on progresse. Bah, je veux bien le prendre. Non, honnêtement, je veux bien pour remplir le... Bah, non, tant pis. Ok. Alors... Ok, il y a une espèce de code. 1, 1, 2. Ah putain, d'accord. Ah oui! Comment réussir à avoir 2? Oh! Voilà, c'est ça. C'est génial. Ça, c'est par contre absolument génial. On a que 3. Donc à un moment ou à un autre, on devrait se trouver avec un truc ici. Là, je suis bon, normalement j'ai 3. Ok. Donc ici je suis censé avoir 3, toujours donc. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir, du coup je me décale un petit peu parce que j'essaie de voir ça sous tous les angles. Tout simplement. Je suis couillon, moi. Ok, donc. Ici c'est bien plus compliqué, on doit avoir 4. Et on a du vertical. De l'horizontal, pardon. Ok. Tout simplement, bah oui, voilà. On est bon, 5 ici. Ça
5, ça correspond à tout sauf 1. Donc ça ne peut pas être ça, ici, ça ne peut être que ça. Regardez. Ok. Et là, je suis bon. Ah merde! Ah, pardon, autant pour moi. Voilà, on est bon. Ok, c'est ce que je devais récupérer, pas de soucis. D'accord, je vais faire une salade composée. Dans les chiottes, il y a peut-être un petit peu de caca. Que je... Non, je veux pas récupérer le caca, merci. Au revoir, on remonte. Il est donc vivant. I want my burger. Sans commentaire. Sans commentaire. C'est plus sur la façon dont c'est demandé, vous voyez ce que je veux dire? Rien dans l'arbre. Oh, encore? Ah bah oui, c'est la maladie. Pourquoi je peux pas? Ah merci, et donc là encore une fois il y a quelque chose qu'il faut que je... Il va me falloir une lame je pense, malheureusement. J'ai une bassine que je pourrais remplir avec du lait. Qu'est-ce que tu veux toi? Le steak sans doute. Le steak que je vais faire avec cette viande. Rusty Lake. Ok, tomate, sauce, salade potentiellement, ça c'est un cornichon. Concombre si tu veux, donc ça veut du concombre ça plutôt. Bon, on trouvera de toute façon, c'est pas un problème. T'inquiète pas, je vais te donner ta viande bientôt, mamie. Avec tes médicaments. Et là, cette fois-ci, on n'a rien du tout. Ok, mon dieu. Bon, bah du coup, désolé. Putain. Alors, j'ai rien contre... C'est juste le faire. J'aime les animaux. Je peux pas... C'est pour moi... Bonjour mon cochon. Bonjour vache. Avant que tu... Vas-y, remplis bien. Hein. Bassine remplie de lait. Voilà, merci. Merci pour ta viande. Je t'en prie. Le plaisir n'était pas partagé. Hop. Pouch. Ouah, trop de vitesse. D'accord, c'était de la sauce tomate. Why not? Tu veux pas couper ma salade? En un sens, c'est pas complètement con. Tu... Voilà qui est bien étrange. Elle ne veut pas ma viande. Ah, est-ce qu'il faut qu'elle me coupe la viande? Il fallait qu'elle coupe la viande, d'accord. Elle coupe le lard, ça me semble logique finalement. Et elle me fait un steak haché. Oui, ça me semble logique. Oui, effectivement. Oui, pourquoi pas. Bien grillé, hein, dis donc. Je suis balèze.
J'adore le lard, mais c'est pas bon pour la santé, je vous le dis tout de suite. Un steak haché, oui, bien sûr. La maison... oui, c'est là. Je baille aussi, hein, je dois bien l'admettre là, mais... Ah, faut que je me rappelle de l'ordre. Oh, Tibaïnia, qu'est-ce qu'il y a dans ce caca-là? Et tu comme... Nenyama, Agraba, Simokua... Je ne sais plus, je ne sais plus, et je reste planté lu. Alors, concombre. C'est quoi ça? Concombre, tomate. Je dirais c'est bacon ça? Avec le bacon. Fromage fondu. Oh, faut vraiment que j'aille jusqu'au bout quoi. C'est vrai que connement, moi je le mets sur le steak après. Vous savez, je le mets sur le steak chaud. Comme ça, il fond juste tout doucement. Non? Non? Bon bah. Ok. Non, t'es sûr? Ou alors faut que je... Oh, faut que je le fasse couper d'abord, parce que je peux pas foutre de couper mon propre bout de fromage. Non. Mets pas ta main, Marcus. Ok. Bon. Donc ça doit être le fromage, donc. Concombre. Tomate, bacon, fromage, steak, salade. Concombre, tomate, bacon. Non, je me suis planté. Et en plus, c'est dans l'autre sens qu'il faut que je m'en souvienne. Ça te va? Ah bah oui, les bêtes sont malades. Coucou. Tu peux te casser, s'il te plaît? Faut que je ramène du PQ, t'es sérieux? Donne-moi la... Ah bah oui, si je viens de comprendre. I've still got a headache. Et là, ça devient la chose la plus dégueulasse qu'on aura jamais vue. Symbole. Donc on n'avait pas eu le symbole principal. C'est qui ça? Le faux élu. Ok. Copper Cube. Ah d'accord, celle qui dessinait ça à l'époque. Ok. Ça devient de plus en plus bizarre. Excusez-moi, oui, c'est un chouchou que j'ai dans les mains. C'est parce que il me serre un petit peu au niveau du poignet. Ok. Lumière. Non, je vais partir, c'est ça? Ok. Non, parce que j'ai pas le cube. J'ai pas le cube. J'ai le cube. J'ai le cube. Ok. Tonton? Tonton est décédé. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Oui, ça m'a semblé logique sur le coup de le taper. En vrai, il vaut mieux courir, hein. Clairement, vous voyez ça. Ok, donc les bestioles malades disparaissent, soyons d'accord, voilà. Je voudrais retransformer en fait l'île en paradis, c'est ça, grosso modo. Donc ça, c'est quoi? The sixth plague. Oui.
boils. Les furoncles. Ok. Ok. Okidoki. Ah là 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 là. Hop, de l'herbe. Ok. Ah bah oui, t'es peut-être un herbivore, toi. Et tu me rechis quoi? Tu pleures du sang. Ok. Why not? Je pensais pas qu'il t'en restait du sang, mais hé, hey, qui suis-je pour juger? Bonjour. Ah oui, t'es en noir et blanc. Oh. C'était un plague docteur, justement. Il te faut le totem de l'élu. C'est fermé. 2 points et X. C'est fermé. Poivre, un couteau. La clé est dans le truc à l'image à la fin. Je prends les allumettes, je prends le fil. Ok. Champignons. Ok. Ici. Tonton, c'est toujours pas là. Tiens, je voulais. What? T'es sérieux, bonhomme, là, ou... To the boys. Ah non, boys, c'est d'accord, ok. Oh, c'est encore un système de couleurs, non? Ah, bah oui, regardez, rose, rose, rose. Non, c'est un vert, pardon. Donc je peux toucher qu'un truc avec du vert autour. Non, même pas. Pourtant, c'était bien ça. Donc là, j'imagine que c'est un orange. Un orange qui doit donc être avec du vert autour. Non, même pas. Là, c'est du bleu. C'est tendu du slip. Hein. Là, c'est à nouveau un vert. Là c'est un orange, là c'est à nouveau un gris, là c'est à nouveau un vert, là c'est un orange. Ah bon? Oh là, j'ai oublié. Catastrophe. J'ai pas fait suffisamment attention. Et je le paye. Ok. Ah! J'en veux plus. Merde! Ah putain. Ton, 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 ton. Merde. Là, c'est un vert. Ok. Là, c'est censé être un orange, donc celui-là. Là, c'est censé être un gris, donc celui-là. Là, c'est censé être un vert. Oh putain, c'est bon. Ouh.
Tant bien que mal, hein. Deux allumettes. Non, c'est pas que les allumettes que je vais y arriver. Voilà, on écarte bien. Je te prends ça, hein. Je te le rendrai peut-être plus tard, on verra. De toute façon, c'est pas comme si... ton oreille allait te manquer. Ah si, pour le réveiller, non, un petit coup de poivre. Non, même pas. Ok. De plus en plus chelou. Ok. Non, je sais pas, j'essaie de trouver de faire des choses avec son corps, hein, mais dit comme ça, je vais jamais m'en sortir. Tu serais pas en train de sécher, vieux, là. Et je parlais aussi de moi, hein, je suis en train de sécher sur son... Bon, on reviendra peut-être plus tard, peut-être. Mamie, qu'est-ce que t'as à nous proposer? Ah bon, ouais, peut-être la tienne, hein. Ça, je prends, non, je présume. Non, même pas. Time, ok. Cure and time. Ok. Sur 12 heures, d'accord, ok. Alors, je vois une espèce de rapport avec l'horloge, mais pas plus que ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, oh, d'accord, ça y est, je viens de comprendre. On lui a ouvert les yeux, maintenant il va falloir qu'il pleure. Le bâton des plaies. Ok, ça je prends. Non, même pas? Ah, j'aurais pensé que c'était ça. The smell of death is in the air. Ok. Là, je... Je dirais pas que je bloque, mais je bloque. En tout cas, un tout petit peu. Fallait que je ramène quoi, l'autre? Le truc de l'élu. Et là-dedans, il y avait une clé. Un système d'heures. X et deux points me gênent. Vu que je les ai vus nulle part ailleurs, en fait. Alors, X et deux points. Qu'est-ce qu'on a? Un truc qui ressemble à X et deux points. On a des points, mais on n'a pas X et deux points. The smell of death is in the air. Okay. Okay, là, elle se met à pleurer. Ça m'aide pas du tout. Aucune idée là par contre, chers amis. Ça devient excessivement grave. Faut quand même pas que je bute le docteur Plague. Oh, oh. Ça te va, bonhomme? La clé du cabinet. Trois vials.
3 bouteilles vides. Ok, attendez, ça commence à se créer. Ça commence à se faire. C'est l'arme en bouteille. Merci. Le poivre. Regardez-moi ça. La grosse grosse morve. Voilà, en bouteille. Le champignon hallucinogène. Vas-y, profite, mémé. La petite bave. Et on est bon. Un petit coup de cœur, tu veux pas? Ouais, ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Ok. Ça vide pas les bouteilles, apparemment. Alors, est-ce qu'il y a un truc avec ce symbole? Je ne vois rien. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, on est bon. Pardon, on est bon. Mais au niveau de la bouteille, je ne comprends pas. Au niveau de la bouteille, je ne comprends pas. Ce n'est pas lui faire boire. Ah putain, faut que je recouse la plaie. Pas de coudre les tétons non plus, hein, bonhomme. Voilà, on est d'accord. J'ai pas t'arracher les yeux, apparemment. C'était prévu, pourtant. Ok, et donc je rebloque. Ou je débloque, ça dépend comment vous voulez le voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, c'est pas ça que tu veux. Allez. Je sens que t'as envie de faire quelque chose. Non. Oh, oh là là, il vient de m'indiquer l'horaire, regardez. Oh putain. Sang. Le sang, vous voyez, je peux toujours appuyer, il bouge pas. Non, pardon, excusez-moi. Hop. Le sang, c'est tout droit. Les larmes, c'est à plat. La morve, c'est à un quart. Et la salive, c'est plus loin. Peut-être un autre chose aussi ou pas? Non. Ok. Mais est-ce qu'on a vraiment tout? Comment je suis censé la vider? Apparemment, on a vraiment tout. Donc, on a dit ça, là-haut, c'est le sang. Ça, c'est la morve. Ça, c'est les larmes. Donc ce serait morve, larmes, salive, morve, larmes, sang. Merde. Si, si c'est bon, c'est quoi ça? Non. Merde. Attends pour moi. Morve, larme, salive, morve, larme, sang. Et je suis balèze. Je suis balèze.
Non, t'es pas sérieux là. J'en ai un truc à bouffer en plus. Alors ça doit avoir un rapport quelconque avec ça. Oh putain, c'est les dents! C'est les dents! Ah putain, y en a que deux qui ont des trous? Non, il y en a plusieurs qui ont des trous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est bon, on a bien 12. Ou alors c'est lesquels qui correspondent? Putain, attendez, il y en avait qui ressemblent à deux points et un autre qui ressemble à un X. Deux points et X. Il doit y avoir un rapport avec ça. Deux points et X. Deux points et X. Il doit y avoir une qui doit ressembler à deux points. Ça pourrait ressembler à ça. Et un truc qui devrait ressembler à un X. Oh putain. Attendez, si ça, ce serait 2 points. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là! La vraie énigme! La vraie énigme commence, chers amis. Oh la vache! Parce qu'une fois que j'en ai une, je peux facilement de trouver l'autre. Vraiment, c'est pas ça. Ah, et après tout, il y a peut-être pas tant de possibilités après tout. Et oh, Marcus. Enfin, s'il y en a un paquet quand même. Faire simple. Non, 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 faut qu'on trouve. Ah, est-ce qu'il y a un autre truc en plus là-dessus? La clé était là-dedans, oui, ça je l'ai vu. What? Non, j'ai cru voir un truc. Ok. Donc, il doit y avoir un truc que j'ai encore loupé. Potentiellement là-dedans ou. Le temps peut guérir un cœur blessé. Oui, je suis au courant, mais. Oh, t'es sérieux? Ok, je veux bien. Non,
ça ce sera ça ici. Celle-là par contre elle va être difficile à trouver. Ça ce sera ça. Ça c'est bon. Là il me faudra ça. C'est ça en fait. Ok. Là. Oh putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 points. 1, 2, 3, 4, 5, croix. Ok. Merci. Ah. Oh. Attends, on peut guérir un cœur blessé. Oh. D'accord. Ok. Ok. Ok, 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 ça se passe plutôt bien. C'est très étrange, très... presque poétique parfois, mais... Alors ? Ok. Le fameux cube, qui va me montrer, encore une fois, un truc bizarre avec le cœur et moi, jeune. Ok, c'était censé être moi jeune, mais je ne veux plus que ce soit moi jeune maintenant, merci. Et cette coupelle-là arrive un petit peu partout, c'est rigolo. Bon, faisons comme si nous n'étions pas... venus ici. Ok, c'est intéressant hein, quand même, c'est extrêmement intéressant. Hop. Il y a vraiment, à mon avis, quelque chose de... de plus dans ce jeu. J'ai oublié de refermer et de... Ok, autant pour moi. Donc là, normalement, c'est les plaies en bas à droite qui sont supprimées. Il nous en reste donc plus que 4. Voilà. Et la prochaine sera... le grand froid, je présume. En tout cas, on le saura dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci. En tout cas, n'hésitez pas à le pouce, briser, le commenter, le partager, vous abonner, comme toujours. Hein. C'est vrai que ça fait très longtemps que je ne l'avais pas dit tout ça. Mais voilà, c'est très important quand même. Moi en tout cas je vous retrouve donc après-demain pour la suite de l'aventure en fonction des lives ou pas lives. Hein. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de vidéo le jour des lives, simplement. Et moi je vous retrouve donc la prochaine fois pour les deux prochaines plays. Donc apparemment le froid et on ne sait pas encore trop quoi. Voilà. Salut les gens !